Après Rio Paris, on avait envie d'un autre voyage et donc on a choisi Paris-Madrid, la route de l'Espagne à la France et de la France à l'Espagne, avec des compositeurs français qui ont été fortement influencés par la culture, par la musique espagnole, comme Ravel, comme Dupont, comme Fauré, et puis les Espagnols qui ont passé par Paris, Cissé Manuel de Falla, Turina, Albéniz, Rodrigo, et ils étaient très nombreux. Donde rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las rosas. La guitare et la voix, c'est peut-être la combinaison la plus naturelle et la plus ancienne au monde. Et donc on la revisite, cette fois pas avec des sopranos comme sur Rio Paris, mais avec des ténors. J'ai le grand bonheur de jouer donc avec Rolando Villazón, avec Charles Castronovo et avec Sandrine Pio. Et ça va donner quelque chose de très intéressant. Je ne pense pas qu'il existe sur le marché un seul enregistrement de ces œuvres. Donc ça serait une grande découverte. En fait, on continue une tradition qui est très très vieille et avec des nouveautés, avec des raretés, avec des lumières intéressantes et sur des belles voix et sur des belles musiques. With guitar, it's more of an instrument that really needs to vibrate with the singer, and you need to be close. So for me, it's the most beautiful instrument to duo with. I think the sound and the color of the album will be very warm and romantic, so I'm happy about that.